chapitre 35, du verset 1 au verset 8. From verse 1 to 8. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Verset 7, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Verset 8, Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Amen. La Bible dit que the Bible says that Enoch avait marché avec Dieu et Dieu l'enleva. Walk with God and God took him up. Sa marche his walk avait plu à Dieu. Pleaded God. Alléluia. Amen. Ici here la parole de Dieu nous dit que Jacob était loin du lieu qu'il avait promis à Dieu, loin du lieu où il avait promis à Dieu de bâtir l'autel. The word is telling us that Jacob was far from the place he promised God to build his altar. Quand il est revenu de chez Laban, when he came back from Laban, il n'est pas allé à Bethel comme il avait promis à Dieu. He did not go to Bethel as he promised God. Dieu était apparu à Jacob. God appeared to Jacob. Le ciel était ouvert. Heaven was open. L'échelle descendait du ciel et touchait la terre. The ladder was coming from heaven to touch les anges heaven. De Dieu montaient et descendaient. Angels were going up and down. Il avait vu la gloire de Dieu. He saw the glory of God. Il avait dit à Dieu, and he told God, si tu me protèges, if you protect me, quand je veux revenir, when I will come back, je veux t'adorer ici. I will worship you here. Alléluia. Amen. Et il est parti. And he went. Et Dieu l'avait protégé. And God protected him. Même quand Laban avait fait des plans when pour le tromper, Dieu a contrecarré ça. Laban did plans to deceive him. God opposed Laban. Et Dieu a permis que cet homme devienne riche. And God allowed this man to become rich. Mais quand il est revenu, but when he came back, il est allé à Sichem. He went to Sichem. Là-bas, on a violé sa fille. There, her daughter was raptured. Et ses enfants, ses fils sont venus tuer les habitants de la ville. And his son par went ruse, and killed ils les ont tués. The people, ils ont tué les hommes. They killed the men. Parce que leur sœur avait été déshonorée. Because the sister was dishonored. Jacob était troublé. Jacob was troubled. Comme tu es troublé aujourd'hui. As you are troubled today. Il avait peur. He was scared. Il savait qu'il n'était pas prêt pour une guerre. He was aware that he was not ready for a war. Il sortait d'un service qui était presque l'esclavage. He was just getting out of something that was almost a slavery. Mais comme Dieu est bon, but as God is good, il a vu comment il tremblait. He saw how he was trembling.
Dieu a vu comment il avait peur. God saw how he was scared. Dieu a vu comment il était troublé. God saw how he was troubled. Il était au mauvais endroit. He was at the wrong place. Vous savez, you know, le bonheur a des positions géographiques. Happiness has geographical positions. Il y a des endroits there are places où tu ne peux jamais être béni. Where you can never be blessed. Il y a des hommes avec qui tu marches. There are people with whom you walk. Qui sont des mauvaises personnes. Who are bad people. Tant qu'ils sont tes amis. As long as they are your friends. Tu ne seras rien. You will become nothing. Tu vas toujours boire. You will always drink. Boire, fumer, mentir, chercher les femmes ou chercher les hommes. And seek girls and men. Tu n'auras pas la sagesse. You won't have wisdom. Et Dieu est descendu. And God went up. Il a dit à Jacob. And told Jacob. Va à Bethel. Go to Bethel. Et là. And there. Bâtis-moi un hôtel. Build me an altar. Bâtis un hôtel au Dieu qui t'a apparu quand tu fuyais ton frère. Build an altar to the God who appeared to you when you were fleeing from your brother. Tu as oublié ce que tu m'avais promis. You have forgotten what you promised. Tu as oublié que tu m'avais dit que tu vas me servir. You have forgotten that you told me that you are going to serve me. Qu'est-ce que tu fais à Sichem ici? What are you doing in Sichem now? On a déjà violé ta fille. Your daughter has been raptured. Tes fils ont déjà tué les gens. And your sons have killed people. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive de plus? And what is happening more? Va à Bethel, va à Bethel. Go to Bethel, go to Bethel. Tu dois rentrer à Bethel. You must go back to Bethel. Il y a des gens qui disent, je prie, je ne vois pas le changement. Va à Bethel. There are people who say, I am praying, but I don't see va là change. Où tu peux bâtir go un hôtel à Dieu. Go to the place you can build an altar for God. On n'adore pas Dieu partout comme les gens pensent. God is not worshiping everywhere as people believe. C'est pour cette raison qu'il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles, entre Christ et Bélial? Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. What is the link between darkness and light? Get out from there. Il y a des gens qui aiment leur dénomination plus que Jésus. There are people who love a denomination more than Jesus. Même si Dieu leur dit clairement que sortez du milieu d'eux, ils ne sortiront jamais. Even when God tells them clearly that they should get out from the place, they will never get out. Ils aiment là-bas pourquoi? Why do they love there? Parce qu'ils aiment cette manière de parler. Because they love this way of speaking. Une jeune fille me disait, si tu veux me bâtir, hein, tu fais comme. J'ai dit, hey, c'est toi qui me bâtis maintenant. A younger told me, if you want to build me, you must do like that. And I say, are you the one building me now? Elle me donne des conseils. Si tu veux me bâtir, tu fais me, comme ça. If fais, you want si to on fait me, ça, tu vas devenir do quoi? Like that. And if we do so, what will you become? Laisse-moi te bâtir. Let me beat you up. Et Jacob connaissait Dieu. And Jacob knew God. Dieu ne lui a pas dit enlève les idoles. God did not ask him to remove the idols. Dieu ne lui a pas dit laisse le péché. God did not tell him to remove his sins. Dieu lui a dit God told him, va à Bethel. Go to Bethel. Relis le verset. Read the verse again. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Amen. Lève-toi. Stand up. Va à Bethel. Go to Bethel. Et demeure-y. Vous and soulignez, remain demeure-y. On the line, remain there. Pas tawa-tawa, tu mets le pied, tu, deux semaines, tu sors. Not here and there, you put your feet 2 weeks and you go out. Pour certains, après la croisade, ah, ce sont les vacances. For some, after the crusade, the holiday starts. Ils se sont concentrés pour récolter les exaucements. They just concentrated themselves to harvest
The answers. Maintenant, c'est la récréation. Now it's the recreation. Non, 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 tu vas y rester. No, you will amen. Remain there. Say amen. Dis, je proclame que je vais y rester. Say, I proclaim that I will remain there. Vous voyez comment Dieu prêche. Ça, c'est l'évangile de Dieu lui-même. Va à Bethel. Go to Bethel. Et demeure. And remain there. Et bâtis-moi un hôtel. And build me an altar. C'est moi qui t'ai paru. I am the one who appeared to you. Quand tu allais. When you were en aventure. When you were going to your trip. Jacob connaissait Dieu. Jacob knew God. Jacob avait compris que cet appel-là. Jacob understood that this call demandait qu'il soit saint. Request him to be holy. Que sa famille soit sanctifiée. That his family should be sanctified. Que les idoles soient abandonnées. That all idols should be forsaken. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. You know, brother, let me tell you si something. Si tu es sincère, si tu es sérieux, if you are serious, tu sais you know ce que Dieu veut que tu abandonnes. What God wants you to abandon. Même si tu es sous. Even if you are drunk. Même les ivrognes savent que Dieu even veut. Drunk had no, Dieu veut qu'ils abandonnent l'ivrognerie. That God wants them to stop drinking. Même quand les gens disent que je me droguais, je vous dis, ils désiraient le salut, ils désiraient la délivrance. Even when people say that I used to be a drug addict. They know that God wanted them to même be quand saved. Un homme dit mon problème ce sont les femmes, ils veulent la délivrance. Ils commettent le péché mais ils veulent la délivrance. Even when someone says that my problem are girls, when he commits sins, he wants deliverance. Si on dit maintenant que Dieu allions-nous, mettons-nous en rang et chacun ira recevoir un cadeau auprès de Dieu, les gens vont confesser leurs vrais péchés sans prédication et les abandonner avant d'arriver. Let's stand and let go to see God for to have some gift. People will start abandoning all the sins because they want the gift. Jacob savait que les membres de sa famille avaient des idoles et dans leur chambre. That the members of his family had idols. Première chose. First thing. Il dit, hey, que chaque Dieu me demande d'aller à Bethel. First thing he said, God is asking me to go back to Bethel. De le servir là-bas. And to serve him there. Donc, que chacun apporte les idoles, les faux dieux qui sont dans sa chambre, dans son sac, dans sa poche. So let venez everyone avec tout ça. Come with the gods that and the idols that are in his pocket or in his room. Et chacun savait où ça se trouvait. And everyone knew where it was. Lis la suite. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Remove the foreign gods that are among you. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Purify yourself. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. And change your clothes. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait, verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Amen. Jacob les enfouit sous le térébène qui est près de Sichem. Jacob est parti enterrer les faux dieux. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Oui, continue. Verset 5. Ensuite, il partit. Il partit. And then they left. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. The terror of God was following them on in the town around them. Jacob a déjà glorifié Dieu. Jacob has already glorified God. Sa famille a déjà glorifié Dieu. His family has already glorified God. Les idoles sont enterrées. Idols are buried. Ils sont lavés, purifiés. They are cleaned and purified. Vous savez,
La purification, c'est le fait de se laver les mains, les pieds, le corps, les habits, faisait partie de la sanctification dans l'ancienne alliance. Was part of sanctification in the whole covenant. Dieu, même jusqu'à présent, Dieu n'aime pas la saleté. Even till now, God don't like dirtiness. Vous savez, dans certains milieux, les gens pensent que quand tu es croyant, in some area, people believe that when you are a believer, tu jettes la brosse à dents, you throw, tu jettes la pâte dentifrice, tu jettes même loin, your toothbrush and past, que c'est le monde. That all that are worldly. Quand nous sommes nouvellement arrivés en Côte d'Ivoire, when we newly arrived in Côte d'Ivoire, j'avais rencontré une femme très intelligente. I met a very intelligent lady. Parce qu'elle était enfant de Dieu. Because she was a child of God. Et elle se plaignait. She used to complain. Elle avait trois frères. She had three brothers. Et les trois étaient ministres. And the three of them were dans ministers le gouvernement. In the government. Et les frères ne l'aimaient pas. Les frères ne l'aimaient pas. They didn't love him. Elle me persécute. Ils me persécutent. And she said, my brother don't love me. They are persecuting me. Je l'ai observé. I watch her. J'ai remarqué que elle avait mis son voile, c'est le foulard fermait toutes les oreilles. I remarked that all her scarf were closing her ears. Et les cheveux étaient sales. And her hair was dirty. Caché sous ce foulard. Hidden under the scarf. Elle avait une robe, ce qu'on appelle les kabas. She had a dress. Et avoir même le kaba. And seeing the dress. On pouvait percevoir qu'il n'est pas propre. You could see that it was not clean. Je lui ai demandé, tes frères n'aiment pas ton style ou bien ils n'aiment pas l'évangile. I ask her, maybe your brother don't like your style or your gospel. Tu dis qu'ils sont ministres, trois ministres. You said there are three ministers. Si tu es leur sœur. If you have a sister. Mais il y a un problème. Then there is a problem. Ce n'est pas, ils ne persécutent pas l'évangile. They are not persecuting the gospel. Ils n'aiment pas ta manière d'être. They don't like the way you are. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc dans l'ancienne alliance, on revenait de la ville, on lavait les mains. So in the whole covenant, people coming back from the town used to wash their hands. Si tu touches un cadavre, tu laves tous tes habits, tu t'isoles toi-même toute la journée. A dead body, you wash all your clothes and your hands, and you remain aside all the day. C'est pour cette raison que Jacob leur dit, lavez-vous, lavez les vêtements, et de purifiez-vous, lavez les vêtements. This is why Jacob told them, purify yourself and wash your clothes. Enlevez les ornements. Remove all your ornaments. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il dit, Dieu m'appelle. He said, God is calling me. Dès qu'ils ont remis leurs idoles. As soon as they gave up. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Dieu a envoyé une terreur. God sent a terror. C'est-à-dire que quand on dit Jacob. So when people hear Jacob. Les ennemis commencent à trembler. Enemies start trembling. Quand il y avait des idoles, on ne les craignait pas. When there were idols, the people were not scared of them. Le prince du pays a pris à attraper. Il était de passage. Il a vu une jeune fille. Il s'est arrêté. On l'a saisi. Il l'a amené chez lui. The prince of the country saw a young lady, a young girl, and he took her to his bed. Et il est parti la violer sans même demander qu'est-ce que tu as des parents. Without asking where a parent et puis, il l'a gardé même à la maison avant d'aller négocier. At home before going to negotiate. Elle était enfermée. She was locked. Il allait négocier, la fille étant enfermée chez lui. While he went to negotiate, the girl was closed. On les méprisait, on ne les craignait même pas. They were despised. Mais quand ils se sont réconciliés avec Dieu, but when they reconciled with God, personne ne pouvait les toucher. No one could touch them. À leur approche, when they were approaching, on tremblait. People were trembling. On tremblait. People were trembling. C'est ça qui va t'arriver. This is what will happen to you. Si tu te réconcilies avec Dieu, if you reconcile with God, si tu enlèves les idoles, if you remove idols, vous allez voir.
You will see. Vous savez. You know. Pour délivrer, on délivre avec l'autorité de Jésus. To deliver, we use the authority of Jesus. Mais si tu ne renverses pas les idoles. But if you don't overthrow idols. Quand tu seras seul. When you will be alone. Les ennemis vont essayer de, ils viendront doucement. Enemies will come pour slowly voir to see s'ils ont toujours if besoin d'être éloignés. Need to remain ils far. Vont remarquer que la chose qui les effrayait n'est pas là. And they see that the thing that frightened them is vous savez no ce qui effraie les démons? Do you know what frightened demons? C'est quoi? Non, c'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. The Spirit of the Eternal will chase him out. Lise Isaïe 59, verset 20. Let's read Isaiah 59, verse 20. Quand le Saint-Esprit est installé en toi, when the Holy Spirit is settled, c'est la terreur. It's terror. C'est la terreur. It's terror. L'ennemi se recule. The enemy backslides. Beaucoup ne vont pas conserver les délivrances. Many won't keep their deliverance. Parce qu'ils sont incapables d'enterrer les idoles. Because they are unable to bury idols. Ils sont incapables d'enterrer les idoles. They are unable to bury idols. La victoire totale. The total victory. Est acquise quand on enterre les idoles. Is acquired when idols are buried. Lili. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come l'Esprit like water, de l'Éternel le mettra en fuite. The Spirit of the Eternal will chase it out. Et tu vas dormir en paix. And you will sleep in peace. Vous avez vu, quand les gens travaillent bien, you see, when les démons work leur disent, on well, s'en va, on s'en va. Demons s'en va. Tell them, we are leaving. Il n'y a are même leaving. Pas de lutte avec les coups de there's poing. No fight. On s'en va, on s'en va. We are leaving. We are leaving. Ça chauffe, l'Esprit de Dieu est là. It's hot because the Holy Spirit is there. Dis amen. Say amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come like a, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come l'Esprit like a, de l'Éternel le mettra the Spirit of Eternal will chase it out. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que la victoire that the victory vient de l'Éternel. Comes from the Eternal. Dis, je proclame. I proclaim que je ne veux pas me débrouiller. That I won't manage. Je veux enterrer les idoles. I will bury the idols. Je veux enterrer les idoles. I will bury the idols. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Quand mon approche, that when l'ennemi I'm approaching, va trembler. The enemy will tremble. The enemy will tremble. Dis, je suis capable. Say, I am able de restaurer le règne de Dieu. To restore the reign of God. Et il y a des cas de dépression. There are cases of depression. On va présenter ces cas à Dieu. We'll just show these cases to God. Mais la dépression, but depression est un phénomène. Is a phenomenon. Qui a déjà vu le livre sur la dépression? Who has already seen the book on depression? Qui l'a lu? Who read it? Vous voyez, il y a des démons derrière la dépression. Il faut lire ce livre. Please read this book. There are demons écoute, behind depression. Qui a ces 3000, on lui donne le livre. Who has 3000, we give him the book. Pour écrire ce livre, ça a pris plus de 10 ans. To write this book, it took more than 10 years. Je croyais que c'était une chose facile.
I believe that it was an easy thing. Quand j'ai commencé la rédaction, when I started the writing, j'ai réalisé que mes hypothèses n'étaient pas cohérentes. When I started the writing, I realized that my hypothesis was not coherent. Parce que si c'est les démons, because if it was demons, quels sont ces démons qu'on commande au nom de Jésus? La personne te regarde comme ça. What are those demons when you order, you command in the name of Jesus, the person look at you like that? Tu commandes au nom de Jésus. You command in the name of Jesus. La personne là ne tombe pas, l'esprit ne crie pas, la personne ne guérit pas. Doesn't cry, the person is not being healed and he is not shouting. Après, je me suis demandé quel est ce démon qu'une piqûre calme. And later on, I asked myself, what kind of demon that a medical injection? Pourquoi quelqu'un qui casse tout, il blesse les gens? Why someone who break everything? On attache avec les cordes. Hurts everyone and he's been just attached with ropes. Il arrive à l'hôpital. When he arrived to hospital, on donne des comprimés, il se réveille, il ne casse plus les choses. He's given pains and he becomes calm. Après, je me rends compte que dans certains cas, quelqu'un casse les choses, il blesse les gens. On dit au nom de Jésus, le démon sort, la personne est guérie. And after that, I see that in some cases, when someone breaks everything, when we say in the name of Jesus, the person is healed. La première chose, the first thing, le Seigneur m'a fait comprendre que la dépression n'est pas la folie. The Lord made me understand that depression is not madness. Que quand quelqu'un est possédé d'un démon de folie ou de plusieurs démons de folie, that when someone is demon possessed of more demons of madness, si on dit au nom de Jésus, if we say in the name of Jesus, le démon dit je m'en vais. The demon say I am leaving. Dès que le démon s'en va, la personne retrouve ses sens. As soon as the demon leave, the person finds himself. Écoutez-moi très bien. Listen me carefully. Les démons de dépression, demons of depression, ne possèdent pas les gens. Don't possess people. Ils ne rendent pas quelqu'un malade. They don't make people sick. C'est-à-dire, tu peux avoir le palud, la fièvre, le dépressif est là, il n'a pas de problème. Or fever. Mais but la personne reçoit constamment des messages, des injonctions, fais ceci. But ceci, the person constantly receives messages. Celui-ci ne t'aime pas. Ne le salue pas. Va do te coucher. This. Ne mange this pas. One don't c'est-à-dire une foule d'informations assaillent son intelligence. A crowd of information invading his mind. S'il obéit à une seule injonction, if he obey c'est-à-dire only à une one, seule suggestion, if he obey only one suggestion, le démon gagne un terrain. The demon win a step. Après, on peut lui dire, tu vas mourir. And later on, they can tell him, you will die. S'il tremble, if he trembles, ils vont passer toute la journée à lui dire qu'il va mourir. They will spend the whole day telling him, you will die. S'il dit, if he c'est says, faux, je ne peux pas mourir. It's false. Ils ont perdu, ils ne peuvent rien faire. They are blocked. Tous ceux qui entendent des voix, all those who hear voices, qui réussissent à rejeter, who succeeded in rejecting them, ne peuvent jamais atteindre la dépression qui aboutit plus tard au délire. Can never reach depression, which later reach madness. Quand tu commences à obéir, when you start obeying, comme ce sont les méchants esprits, as there are wicked spirits, ils te donnent des informations obscènes. They give you bad, des very choses bad, horribles. Very horrible information. Une jeune fille me disait que quand elle lave les habits, quelque chose lui dit, mets le pied dans le seau. Imaginez quelqu'un qui lave les habits puis met le pied dans le seau. A young girl told me that when she is washing a cloth, something tell her, put your foot in the bucket. Je lui ai dit, bon, si tu vois quelqu'un qui lave les habits and et I il met her, son pied dans le seau, tu vas dire quoi? If you see someone washing cloth and putting his foot in the bucket, elle what m'a dit, will you do? Je vais dire qu'elle est folle. I will say dit, c'est ça que le démon mad. Veut t'amener à la folie. This is what the demon wants. He wants to lead you to madness. Parfois, tu dis, jette-toi, que la voiture t'écrase. Sometimes I say, throw yourself, and the car will crash you. Un jeune homme me disait, sa dépression commence
Il voit comme un lion qui bondit sur lui. Il crie, ah, ah, ah. Après, les gens demandent, qu'est-ce qu'il y a? Lui-même ne sait pas ce qu'il faut dire. A young boy told me, when the depression started, he see a lion shouting on him, and he start crying. And when people ask him, he say he doesn't know what to do. Il me dit, parfois je vois les choses, he said, Tom, sometimes le contraire des choses. But something with his contrary. Il dit, si un fil est rouge, je vois qu'il est noir. If a rope is red, I see it's black. Donc ça nous a pris du temps. So it took us time pour écouter des pareilles histoires. To listen to such et chercher le chemin. And find the way. Et le Seigneur nous a révélé. And the Lord revealed to que us quand tu refuses d'obéir à ces informations, that when you refuse to obey those information, tu as la dépression finit. Depression stop. Il y a une jeune fille, elle n'est pas ici. Est-ce que Marie Désirée est là? Elle n'est pas là. She's not here. C'est l'un des derniers cas. Elle est venue me voir. She came and see me. Depuis la classe de seconde, elle était déjà en deuxième année à l'université. She was out in the second year of university. Un jour, et one c'est day, la fille d'un pasteur, un pasteur consacré. She's authentiquement consacré. She's the daughter of a genuinely consecrated pastor. Elle marchait. She was walking. Elle a entendu Jésus chien. She heard Jesus dog. Et cette voix lui dit, tu as blasphémé. And the voice told her, you have blasphemed. Elle avait peur. She was scared. Après, la voix lui dit, il faut mourir. Si tu as blasphémé, la vie ne vaut plus la peine. Il faut te tuer. Tue-toi. And the, later on, the voice told her, you should die. Kill yourself. Because you have blasphemed. Après, elle dit qu'un jour, elle a pris le couteau. She said one day she took a knife. Elle a posé la pointe sur le ventre. She put it here on her stomach. Il restait qu'elle tombe. It just remained for her to elle fall on it. Elle transpirait. She was just sweating. Vers 1 heure du matin seule. At 1 a.m. alone. Après, elle n'a pas eu la force d'achever son action. She did not have the courage to complete the action. Sa mère est venue la trouver. Her mother found her. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Elle a expliqué. And she explained. Elle dit qu'un jour, another day, elle entend une voix qui lui dit que va habiter dans le champ des veillards. A voice asked her, go and live in the cashew nut tree. Elle allait. And she was leaving. Elle allait. She was going. Après, and comme ce n'était pas encore comme total, elle est retournée. Elle a reboussé chemin. As it was not total, she went back. Alors quand elle a expliqué à son père lui a dit de venir me voir. When she explained it to her father asked her to come and meet me. On l'avait amenée à l'hôpital. We sent her to hospital. On lui a donné des médicaments. She on croyait que c'était un problème psychiatrique. On a donné des comprimés là-bas comme un fou. They gave her medicines. Après, later, elle commençait à tomber malade. She started falling sick. Parce que quand tu es sous, quand tu vis la dépression, because when you are experiencing depression, si tu es passif, je vais vous expliquer bientôt ce que ça veut dire être passif. If si you tu es passif, I will explain it to you elle évolue. It evolves. Et puis, elle commence à produire ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. And it starts producing what is called psychosomatic sickness. Tu peux avoir mal à l'estomac d'une manière inexplicable. You can have a stomach hurt that you cannot explain. Un dysfonctionnement que tu n'arrives pas, même les médecins ne peuvent même pas t'aider. Some dysfunctioning that even doctors cannot explain it to you. Et je connais une sœur, elle dit que parfois, elle avait un choc au côté gauche de son ventre. Quand I elle a ce choc-là, elle tombe. Sometimes she had a choc on the left side of her stomach. Et and when she got it, she fall down. Elle peut faire 2 semaines de fatigue. She can be 2 weeks tired. En France, on a dit que c'est chronique, ça ne peut pas guérir. In France, they told her that they cannot heal it. Et je vais vous parler de son cas après. Donc, cette petite est venue. So, this young girl came. Donne-moi le fourreau de mes lunettes là, parce que c'est ça que j'avais utilisé pour la délivrer. J'étais inspiré, hein, parce que Dieu aide beaucoup.
Acclamation à Jésus-Christ. Give me my glass box because it's what I use to deliver her. Donc, après l'avoir écouté, so after having listened to je her, lui ai donné mes lunettes. I gave her my glasses. Je lui ai dit, I told her, il faut garder, frappe par terre, frappe. Beat it on the ground. Je dis, vas-y, vas-y. I said, beat. Je lui ai dit, soulève, tu casses tout. Just break it. Elle a attrapé. She elle m'a it. Regardé fixement. She looked at me. Elle a dit que non. She said no. Non. Non. Je lui ai dit, I told her, tu n'es même pas capable de gâter les lunettes d'un être humain. You are not even able to destroy the glasses of a human being. Et tu crois que tu peux insulter Jésus. And you think you can insult Jesus. C'est là le début de ton problème. This is the start of your problem. Je dis, la voix que tu as entendue là, c'est un démon qui a dit ça. The voice you heard was the voice of a demon. Dans ta conscience. In your conscience. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je lui ai dit, I told her, tu ne peux pas insulter Jésus, la preuve. You cannot insult Jesus. See. Donc, si tu entends encore ces choses-là, c'est faux. Tu so as compris? If you hear this voice again, it's false. Do you understand? C'était said, la yes. Fin de la dépression. It was the end of a depression. L'autre, celle qui disait qu'elle ne, on dit qu'elle ne dort pas. Je lui ai dit, tu vois, the sister, j'ai lu le verset sleeping. Qui dit, je me couche et je m'endors. I read every verse dit, hey. That I lay and sleep. Parce que quand tu es sous l'oppression, because when you are under the oppression, même si tu es intelligent, tu deviens stupide. Lis-nous Ecclésiaste 7, verset 7. You become stupid. Lis Ecclésiaste 7, verset 7. Ecclésiaste 7, verset 7. Quand tu commences à accepter, when you start accepting, ça te rend insensé, ça te fait perdre le discernement. Foolish. Tu perds le discernement. You lose your discernment. Vous savez, tous les hommes ont en eux plusieurs voix qui s'élèvent. Des you voix know, qui peuvent dire, il fait chaud, déshabille-toi. Tu dis, non, 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 il y a les gens ici, je ne peux pas être nu. Donc, l'homme exerce la censure sur lui-même, 24 heures sur 24. So everyone has many voices which gives him orders and command him. But human beings use bands and say, no, I cannot do this. Quand I can do this. Quand tu ne peux plus discerner, when you are no more able to discern et censurer, and to ban, tous tes désirs seront exprimés. All your desires will be. C'est pour ça que le fou, si le pantalon, le jeune, il enlève, il jette, il continue sa marche. This is why the mad one will remove his trousers. Lis Ecclésiaste 7, verset 7. Ecclésiaste 7, le verset 7. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Amen. Donc, tous les bruits que le diable fait, les voix qu'il te fait entendre, so all the noise the devil does, on and the voice ça, he makes you, you, makes you hear, on appelle ça les oppressions. Are called oppressions. Il y a d'autres phénomènes qui accompagnent les oppressions. There are some more phenomena which are with depression. Il y a ce que nous avons préféré appeler la simulation démoniaque. This is what we prefer to call it demonic simulation. Les esprits de dépression peuvent produire des sensations d'un serpent qui entre dans ta bouche, qui sort par tes parties intimes. Et tu cries, tu as horreur, ça te trouble, ça c'est quoi ça, j'ai le serpent. The spirit est-ce of Alvin est là? Depression can make you feel a snake going through your body. And elle, you have elle n'est pas là. Elle fait bad partie feelings. Des gens qui ont vécu ce type d'oppression. Sister, the sister is part of people who have experienced this kind of depressions. Le secret, the secret, c'est de ne jamais accepter que toi tu as insulter Dieu. Is to never accept that you insulted God. Je suis sur une scène maintenant. Bientôt, elle sera délivrée.
I'm on a sister right now. Very soon she will be delivered. Elle a déjà donné la vie ici, je crois, deux, trois fois. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de problème, hein, dès qu'on lance l'appel, il donne la vie à Jésus. To Jesus Christ, more or three times. Someone elle dit who has no problem. Elle sent, sent les pensées immorales. J'ai dit, tu sais ce qu'on appelle pensée immorale. She said that she feels immoral thoughts. And I asked her, do you know what is called immoral thoughts? Et puis quand on a des pensées immorales, sous la conviction du Saint-Esprit, ça produit la repentance et la délivrance. And when you have immoral thoughts, under the conviction of the Holy Spirit, it produces repentance. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Si Dieu te convainc d'un péché, if God convinces you of a sin, si tu te repens, if you repent, il t'en délivre. He delivers Dieu you ne from peut pas it. Être capable de convaincre et puis n'est pas capable de t'en délivrer. God cannot be able ce to convince ce n'est pas notre you Dieu. And unable to to deliver you from it. Il change, il dit, je veux changer le cœur. Il change. He even changes the heart. He said, I will change the heart. Mais si tu es toujours là, Seigneur, pardonne-moi, c'est la dépression. Tu es dans un état dépressif. But if you are always there, saying, God, forgive me, you are in a state of depression. Et tu ne peux pas grandir. And you cannot grow. Et la sœur a dormi. And the sister slept. Elle est guérie. Elle, she's est, healed. Elle est guérie complètement. Completely healed. Après un diagnostic sévère. After a severe diagnosis. Que c'est chronique, c'est fini. That is chronically. Et chez les blancs. In the white country. Jésus l'a délivré. Jesus has delivered her. Être passif, c'est subir les pensées sans te poser la question que est-ce que c'est sûr que c'est moi qui pense comme ça. To be passive is to have all those thoughts in your mind without being able to say, am I the one thinking like that? Être passif, c'est suspendre ton imagination, arrêter de réfléchir. To be passive is to stop thinking. Exemple. For example, beaucoup de personnes ont remarqué, quand quelqu'un me dit, je ne sais pas ce que ça, il s'agit de quoi, je ne donne pas la réponse. Pourquoi? Parce que c'est la pensée passive qui demande, j'ai eu un rêve là, c'est quoi? When some people ask me, I had a dream, but I don't know what it means. Si tu réponds sans discernement, tu affaiblis son discernement. Because it is the passive mind which says that. And if you reply without discerning, you are weakening this person's discernment. Il faut laisser les gens exercer la finesse de leur esprit, de leur intelligence. You must let people use the finesse of their spirit and their intelligence. Je suis allé au Cameroun. I went to Cameroon. Il y avait une sœur là-bas. Quand j'arrive, elle vient pour la délivrance. She came for deliverance. Dès que j'arrive, elle vient. As soon as I come, she came. J'avais discerné que sous son problème, I discerned that under her problem, la dépression. There were depression. Donc, j'avais discerné qu'elle était très passive. And I discerned that she was very passive. Après, elle est arrivée cette fois-là avec une amie. And the next one, she came with a friend. Pour la délivrer, qu'est-ce que j'ai fait? To deliver her, what did I do? Elle dit, tu es une Chinoise, non? I asked her, are you a Chinese? Elle dit oui. She said yes. Tu es une Chinoise? You are Chinese? Elle dit oui. She said yes. J'ai trois fois dit, tu es une Chinoise, n'est-ce pas? Elle dit oui. She says yes. Je lui dis, comment toi tu peux accepter ça? And I ask her, how can you accept? Elle dit, je ne sais même pas. And she said, I even don't know. C'est ça qu'on appelle être passif. This is what is called be passive. Je lui ai dit, c'est ça qu'on appelle être passif. I told her, comment this is what they call to be passive. Accepter que how tu es une Chinoise? Une femme, mais pas un enfant. Not a baby. Je ne peux même pas dire aux gens que voilà cette sœur-là, ce serait un grand péché. Even tell people, this is the sister. Je peux utiliser l'exemple pour instruire les gens, mais je ne peux pas lui faire ce mal. People, but I cannot show, I cannot introduce her to people. Okay, hey, c'est vrai. Moi, je ne comprends pas. Je dis, c'est ça que on appelle passive. This is what is called a passive mind. Une personne normale allait me regarder fixement. A normal person would have looked at me. Dire. And ask herself, what does it even mean? Et puis j'allais lui dire, non, c'est bon, c'est bon. And I would say, no, it's okay, it's okay. Première question, oui. Deuxième question, oui. First troisième question, yes. Second one, third. Passif, yes, third. Passif, passif. Passif, passif. Ça veut dire passif. Que quoi?
Si la voix lui dit que il y a un python. If the voice tells there is a python. Dans ton ventre. In your stomach. Il va croire. She will believe. Et ce type de python là, and this on kind peut of chasser python, pendant 10 ans. We cast it out during 10 years. Alors que les vrais pitons même là. While the true certains fuient même. Qui a déjà vu un démon sortir de lui sans crier? C'est-à-dire, il a vu une forme qui part. Qui a déjà vu un démon qui sort de lui? Voilà, déjà. Shouting. Non, pas le python, c'est-à-dire n'importe quel démon any a fui. Demon fleeing. Sous forme de fumée, de nuages, like ou bien smoke or un esprit humain. Qui a déjà vu? Qui a déjà? Who has already seen it? Oui, il y a des gens qui lèvent les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Beaucoup de démons détalent même many sans déranger les gens. Without troubling people. Si vous chassez un démon plus de 10 fois, if you cast out a demon more than 10 times, il faut revenir sur la restauration de la santé psychique de la personne. You must come back to the restoration of a psychic health of the person. Donc, et les démons de dépression sont très méchants. And the demon of depression are very wicked. Quand tu dors, when you are sleeping, ils arrêtent. They stop. Ils attendent que tu te réveilles. They wait for you to get up. Parce qu'ils visent ton intelligence. Because they target your intelligence. Ils aiment quand tu, ils disent déshabille-toi, tu te déshabilles. They love, they like when they ask you uncover yourself. Donc, tant qu'ils n'ont pas atteint le niveau où ce qu'ils disent là, c'est ce que tu fais, tant qu'ils n'ont pas atteint ça, ils multiplient les oppressions, les attaques des voix, des rêves, des visions. As long as they have not reached the step where what they say is what you do, they just multiply the attacks, the dreams, the voices. Donc, il y a les dépressions d'origine spirituelle, c'est de ça que je parle maintenant. So there are depressions which are spiritual. Sinon, il y a d'autres sources de dépression. Ça peut être la drogue. Because there are many other sources. Ce qu'on appelle les causes factorielles. Ça peut être la drogue. It can be drugs. Ça peut être la peur d'être déclaré séropositif. It can bien porteur de VIH. The fear of being declared HIV positive. On dit va faire le test. Tu vas tourner autour de l'hôpital. Tu dis. And you turn around the hospital. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. And you say, Lord, help me, help me, help me. Après, tu vois l'hôpital. Là, tu dis non demain. And you see, et ton no, cœur no, commence tomorrow. À battre. And et your heart start beating. Tu peux tomber dans la dépression. You can fall into depression. Avant même d'avoir le résultat. Before having your results. C'est pour ça qu'on parle parfois des maladies imaginaires. This is why sometimes they say it's imaginative sicknesses. Il y a la culpabilité. They are guilty. Si tu pèches. If you sin. Au lieu d'aller directement dans le sang de Jésus te repentir. Instead of going directly in the blood of Jesus et to accepter repent, que Jésus t'a pardonné. And accept that Jesus has forgiven you. Si tu pèches. If you commit a sin. Tu dis Seigneur pardonne-moi. You say Lord forgive me. Oh Seigneur pardonne-moi. Oh Lord forgive me. Oh Seigneur pardonne-moi. Oh Lord forgive me. 6 heures, 9 heures, oh Seigneur pardonne-moi. 6. 10 heures, oh Seigneur. 10 hours. Oh Lord forgive me. 12 heures. 12 hours. Oh Seigneur pardonne-moi. Oh Lord forgive me. 14 heures. 2 p.m. Oh Lord forgive me. C'est fini hein? It's finished. Tu es parti. You are gone. Un jeune homme a marché toute la nuit à Cocody, il avait a commis la fornication. Walked the whole night in Cocody because he committed fornication. Les pieds sans chaussures. Without shoes. La tête tournait déjà. Her head was already turning. Il était sale. He was dirty. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. I told him about the love of God. La puissance. The power. Pour recevoir le pardon. To receive the forgiveness. Et il fut délivré. And he was delivered. Il y a les causes génétiques. Il y a des gens qui ont, au niveau de la conception, des carences. There are people who are in the birth adenas, some lack.
Ça, ce n'est pas notre domaine. On peut lui poser les mains comme une maladie. This is not our field. We can lay our hands on him as a sickness. Donc, avant la fin, so before the il y aura un jour, on va toucher seulement ceux qui sont en dépression. On les touche seulement. Dieu, occupe-toi de lui. Un jour, il va se réveiller. We just touch people who are depressive. And one day, he wake up and he is healed. Il y a des gens qui ont un esprit faible. There are people who have a weak spirit. Vous savez, dans la Bible, on dit que quand Jean-Baptiste grandissait, in the Bible, it is said that when John the Baptist were growing, il grandissait physiquement et il était fortifié en esprit. He was growing physically and he was fortified in his mind. Lis pour nous Luc 1, verset 40. Read for us Luke 1. Verse 40. Lis Zacharie. Non, lis verset 2. Lis chapitre 2. Read chapter 2. Lis le chapitre 1. Luc chapitre 2, le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Lis le verset 80. Let's read verse 80. Chapitre 1, le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Dieu. Maintenant, ça c'est Jean-Baptiste. This is John the Baptist. Lui, il vivait dans le désert. He was living in the desert. Il n'y avait pas les hommes. There were no men. Donc, tout ce qu'il lui fallait, so all that he needed, c'était la force de l'esprit. Was the strength of his spirit. Le courage pour vivre dans les rochers, sans craindre les lions, les serpents, the lions and the snakes. Fort en esprit. He was strong in his mind. Et fort physiquement. And physically strong. On lit pour Jésus. Luc chapitre 2, le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Écoutez pour Jésus. Listen for Jesus Christ. Il était rempli de sagesse. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. And the grace of God was on him. Quand tu vis parmi les hommes, when you live among people, Dieu ne peut pas se contenter à fortifier ton esprit. God cannot just fortify, strengthen your spirit. Il va te donner la sagesse. He will give you wisdom. Et il va faire précéder sa grâce devant toi. And he will make His grace go before you. Normalement, tous les enfants de Dieu normally, all the children of God doivent être environnés de grâce et de faveur. Must be surrounded by grace and favor. Parce que Dieu sait qu'ils vivent parmi les hommes. Because God knows that they are living among people. Si tu es dans le désert, if you are in the desert, tu n'as pas besoin de grâce et faveur. You don't need grace and favor. Tu as besoin d'un esprit fort. You need a strong mind. Jésus avait tout, l'esprit fort, Jesus la sagesse, la grâce, the la faveur. Strong mind, wisdom, grace and favor. Donc, so, il faut que dans le développement d'un homme, it takes that in the development of a man, son esprit soit fervent, il soit fort. His spirit should be fervent, should be strong. Qu'il peut supporter les contradictions. Then he can bear oppositions. Il y a des gens, si tu les critiques, there are people, if you criticize ils them, peuvent même tomber malades. They can even fall sick. Il y a des gens, tu peux les critiquer, ça n'enlève rien, ils continuent. Leurs esprits sont forts. Their spirits are strong. Tu ne peux pas te moquer de, regarde moi. You cannot laugh at them. Regarde-moi tes petits pieds là. Look at your small foot. Imagine. Il y a des, tu les insultes même, ils sont heureux. There are people, when you insult them, they are happy. Ils ont un esprit fort. They have a strong mind. Et l'évangile corrige ces faiblesses-là. And the gospel correct this weakness. Si tu étais là, dès qu'on te fait quelque chose, quand tu crois, if you were there, when I should do something to you, you start crying. Je vous donnerai un esprit nouveau. He said, I will give you a new spirit. Ça, c'est Dieu sait qu'avec cet esprit-là, tu ne peux aller nulle part. God knows that with this kind of spirit you can go nowhere. Donc, il enlève. So he remove it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc je voudrais qu'on supplie Dieu pour les cas de dépression. I would like us to plead God for the cases of depression. Les origines sont diverses. The origins are numerous.
C'est pour cette raison que le livre est divisé. Il y a la partie de la médecine moderne. This is why the book is divided into parts. There is the part of modern medicine. Pas pour rivaliser avec la médecine. Et puis la médecine et la foi ne sont pas des ennemis. Not to oppose to medicine, because medicine. La science et la foi. And faith, science and faith are not enemies. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Sinon, quelqu'un peut vivre des injections, et tu deviens vraiment comme invalide. Because tu deviens invalide. Someone can live upon injection and become invalid. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc tenons-nous debout. So let's stand up. Le premier sujet. The first topic. Dis à Dieu. Tell God. Toi, tu sais tout. You know everything. S'il y a une idole cachée. If there is a hidden idol. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Ne fais pas l'orgueil que moi je n'ai rien, je suis bon, vraiment. Don't be proud. Say me, I have nothing. I am good. Ce serait une erreur grave. It will be a very great mistake. Le publicain disait, oh Dieu, pardonne-moi. The man said, oh God, forgive me. Sois apaisé à mon sujet. Je suis un pécheur. I am a sinner. Et le pharisien disait, and the Pharisee said, je suis pur. I'm pure. Je jeûne deux fois par semaine. I fast two times. Je paye la dîme de la manne. Je paye la dîme du cumin. I pay the tithe of cumin. Je suis juste devant Dieu. I am righteous before God. Jésus a dit à ses disciples, regardez. Jesus told his disciples, look. Cet homme-là, this man, rentre avec tous ses péchés. He's going home with all his sins. Ce publicain, this man, this other one, est pardonné. He's forgiven. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu. You cannot hold before God. Et dire que tu es propre. And say you are clean. Tu vas gagner quoi? What will you win? Il est écrit. It is written. Que celui qui est pur se purifie encore. Let the one who is already holy be more holy or purified himself. Prions ensemble. Let's pray together. Abandonne tout. Abandon everything. Là où tu ne voulais pas céder, cède. Want to give up? Give it up today. Cède et tu vas vivre. Give up today. And you will leave. La terreur de Dieu va te précéder. The terror of God will go before you. Tu vas crier à Dieu et il va entendre. You will cry to God and he will hear. Jacob a dit à sa famille. Jacob told his family. Apportez-moi tous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. All your foreign gods. Apportez-moi tous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. All your foreign gods, the foreign gods which are among you. Et ils les enterrèrent sous le térébène. And they buried them under the oak tree. Et la terreur de Dieu est descendue. And the terror of God came down. Quand on entendait le nom Jacob. When people were hearing the name Jacob. Les gens tremblaient déjà. They were trembling. Frère, tu vas faire trembler tes adversaires. Brother, you will make your adversaries tremble. Asseyons-nous. Let's sit down. Vous continuez dans la prière. Keep on praying. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. If you have not yet given your life to Jesus. Pendant que les autres se sanctifient, toi tu peux venir. While the others are sanctifying themselves, you can come. Qui n'a pas encore donné la vie à Jésus? Who viens. Has not yet given his Lève life la to main. Jesus. Put up your hand. Qui veut le faire maintenant? Viens. Who wants to do it Qui d'autre? Now? Qui d'autre? Who else? Nous sommes en train de confesser tous les péchés, les idoles et les abandonner. We are si toi tu n'es pas encore né de nouveau, tu te lèves, tu viens devant ici. If you are not born again, you stand up and come here. Oui, venez rapidement. Yes, come quickly. Pendant ce temps, toi qui es un enfant de Dieu.
You who are a son of God. Renverse toute idolâtrie. Overthrow all your idols. Qui d'autre? Who else? Oui, acclamation à Jésus-Christ. Yes, let's clap for Jesus Christ. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il vienne maintenant. Who has not yet given his life to Jesus? Let him come now. Viens rapidement. Come quickly. Le Seigneur agit beaucoup ce côté-là. God works. Qu'est-ce qui se passe ici? Much on this side. What is happening here? Ne permettez pas que vous soyez dans une rangée rebelle à Dieu. Don't commencez à supplier Dieu d'agir. Start pleading God to work here. Qui doit donner la vie à Jésus? Who must give a life, his life to Jesus? Il sait qu'il ne l'a pas encore fait. He knows that he has not done it yet. Lève la main. Put up your hand. Victoire. Qui d'autre? Who else? Satan, va-t'en, libère les âmes Satan, que tu veux retenir. Go away and free, set the people free. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève-toi, tu vas devant comme les autres. If you have not yet given your life to Jesus Christ, stand up and go with the others. Tu vas rentrer étant pardonné, pardonné et béni. You will go home being forgiven and blessed. Peut-être. Maybe. Que tu étais avec Jésus. You were with Jesus. Et tu es tombé. And you fall. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come back. Oui, acclamez très fort. Yes, clap, clap loudly. Satan, va-t'en! Satan, go away and set the people free. Vous savez, c'est une guerre contre les démons. You know, this is a war against the demons. Qui d'autre veut s'ajouter? Who else wants to come? Nous allons prier maintenant. You are going to pray now. Si le Saint-Esprit te dit, va devant, lève-toi promptement et viens. As you come here, stand up and come. Acclamation. Let's clap. Ça c'est la victoire. Qui d'autre vient vite? Who else? Come quickly. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. The Bible says there is joy in heaven. Quand un pécheur se repent. When a sinner repents. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Et là, il y en a plus d'un. And because here there are more than one. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap, let's clap. Qui d'autre? Qui d'autre? Who else? Quand tu décides de donner ta vie à Jésus, when you decide to give your life to Jesus, c'est un chaos à Satan. It's a knockout to Satan. C'est un chaos à Satan. It's a knockout to Satan. Lève-toi et viens. Stand up and come. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Is there someone among you? À qui le Saint-Esprit est en train de demander d'intégrer la CMCI? To whom the Holy Spirit is asking to join CM5. Tu le sais en toi et tu as même déjà you peut-être décidé. Lève ta main. You know it in your inner being and you have already decided that. Put up your hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there someone? Oui, viens. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Mais le Saint-Esprit t'a dit
But the Holy Spirit has told you. Va à la CMCI. Go in CMFI. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Oui. Des pareilles personnes, on ne les supplie même pas, parce qu'ils n'attendaient que ça, la volonté de Dieu. We don't beg this kind of people. Qui avait juré? Who has swore? Qu'il ne sera jamais membre de la CMCI. Il a juré. That he will never become a member of CMFI. Et il veut que, il veut venir et je veux bénir pour détruire son engagement démoniaque. He wants to come and I will pray, bless him and destroy his demonic commitment. Viens. Come. Okay. Okay. Allez là. Je cherche quelqu'un qui avait juré qu'il ne sera jamais. C'est toi? Tu avais dit que tu ne seras jamais membre. Ok. Donne-lui le micro, elle parle et puis je vais la bénir. Alléluia. C'est une maman qui m'invitait ici. Moi, j'étais dans une église. Et quand elle a dit qu'on fait les brisements de liens ici, attends. J'ai dit comme attends, ça que... Comme ça. J'ai dit je vais aller voir mon pasteur. Et mon pasteur a dit comme ça que les brisements de liens n'existent pas. Que... Jésus a tout payé à la croix, qu'il n'y a pas de brisement de lien. Et ça commençait à se dire que ce n'est pas la peine de faire. Et comme ça, un jour, moi-même, j'ai décidé de la suivre comme ça. Et j'avais dit que je ne vais jamais venir ici. Maintenant, tu parles fort. Maintenant, je suis venu. Les frères n'écoutent pas. Maintenant, je suis venu. Moi, j'ai aimé. Puis j'ai décidé de rester. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je renverse ces paroles qui ont été les paroles des insensés. Je te bénis dans l'évangile de Jésus, l'évangile authentique, où Jésus a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Amen. Amen. Non. Prions pour eux. Let's pray for them. Dis Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. C'est toi qui es Dieu. You are God. C'est ce que tu veux qui est bien. It's what you want that is good. Je te donne ma vie. I give you my life. Je vais te servir. I will serve you. Permets que je sois béni à la CMCI. Allow that I should be blessed in CMFI. Qu'on brise mes liens, que je sois délivré. That my evil ties should be broken and I je me sépare de l'évangile du mensonge. I get separated from the gospel of liars. Je donne ma vie à Jésus. I give my life to Jesus. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Lave-moi par ton sang. Clean me, wash me by et crée mon nom dans ton livre. And write my name in your book. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous vous séparons de toute malédiction. We separate you from any kind of curses. Nous vous séparons de toute idolâtrie. We separate you from any nous vous séparons de toute idolâtrie. We separate you from any kind of idolâtrie. Du côté de votre père et du côté de votre mère. From your mother's side and from your father's side. Et nous vous bénissons. And we bless you. Que le dessein de Dieu s'accomplit dans vos vies. May the purposes of God come to life. Que le but pour lequel le Seigneur vous amène dans notre ministère soit accompli. The goal of God sending you in our ministry should be completed. Amen. Amen. Donnez-leur des places. Asseyez-vous là, on va commencer la prière. Tenons-nous debout. Let's stand up. Je vous ai dit que la dépression vient de loin. I told you that depression comes from far.
Pour certains cas, for some cases, c'est une distorsion psychique. It's a psychic bending. C'est-à-dire que l'homme a un cerveau de l'âme, l'âme de l'homme, l'homme, corps, âme, esprit. Le corps aussi a un cerveau. It means that human being, body, spirit and mind, has a brain. L'âme qui est dedans a aussi son cerveau. L'âme qui est dedans a son cerveau. So the soul which is inside has its brain. Quand le cerveau psychique est troublé, when the psychic brain is troubled, tu souffres beaucoup. You suffer a lot. Viens dire les voix que tu entendais. Voici un autre cas, délivré même. Mais come ne dis pas tout. Dis ce qui hear. Peut aider les gens ici. Just tell what donnez-le can le help micro. People. Gloire à Dieu. Ça, c'est délivré authentiquement. Alléluia. Pendant que tu écoutes, tu pries. Même si tu n'as pas ce problème, tu as vu les jeunes when filles qui courent ici. When you are listening to her, you pray. Even if you don't have a problem. Il y a des jeunes filles qui courent ici depuis le premier jour. Les you autres tombent, on chasse les démons. Et ils ne font que courir. Since the first day, we casted out demons and they are running. Tu te demandes ils seront délivrés quand? You ask yourself when they will be delivered. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Akanyoa Puchéri, disciple du pasteur Miguel Boniface. Écoute en prière. Pray while listening. J'ai été victime de la dépression. Cela a commencé d'abord par des voix que j'entendais, comme papa l'a signifié tout à l'heure. Et à un moment donné, je suis tombé dans la passivité. Et puis j'entendais des voix. J'ai quand même les remorques là. Parce qu'ils ont beaucoup de pneus. Quand les voitures passent, jette-toi en bas de la voiture. Jette-toi sous le pneu. J'entendais ça. Et j'habite au quatrième étage d'un bâtiment. Et j'entendais aussi, jette-toi par le balcon. Au début, je jugeais les voix. Et après avoir eu un bébé, la dépression, les voix sont devenues encore plus fortes. Et ça me fatiguait maintenant. C'était devenu intense. À tel enseigne que quand je dis quelque chose, tu as péché. Et je pleurais sur tout ce que je faisais. Même quand j'écris sur mon enfant, la culpabilité veut me tuer. Je peux pleurer. C'est qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Et comment j'ai traité l'enfant? Seigneur, pardon, les enfants que tu m'as donnés. Et c'était devenu fort. J'ai dit fort. À tel enseigne que je ne me souviens même plus. Je ne me souvenais plus des versets bibliques. Tout l'évangile a disparu de ma mémoire. J'ai vécu ça, frère. Mais Jésus m'a délivré authentiquement. Amen. Quand j'ai reçu le ministère, que les frères ont commencé à me dire non, papa même m'a rendu ministère. Et la sœur Sita Kwadjo, je sais pas si elle est là, elle m'a rendu un très puissant ministère. J'avais besoin d'affection. Celui qui est dépressif pleure parce qu'il manque de tendresse, d'affection. Elle m'a embrassé, je m'a dit, non, chérie, toi tu peux pas être folle, tu peux pas être dépressif. Toi, une grande femme comme ça, refuse. Et puis derrière, même si tu as péché contre Dieu, c'est ton père, le linge sale se lave en famille. Refuse, et puis refuse tout ce que tu entends. Je suis sorti de là, forte. Quand le Seigneur me dit... Acclamation. Let's clap. Oui, c'est bon. Et, lève tes deux mains, dit, oh père. Put up your two hands and say, oh father. Guéris tous les cas. Heal all the cases of depression. Tous les cas de dépression. All the cases of depression. Qui se sont manifestés ici. What happened here. Ou qui se manifestent ailleurs. Or happening somewhere else. Dans la vie ou dans les vies de ceux qui nous écoutent. In the life or the lives of people who are listening to us. Et qui ont des membres de famille dépressifs. Or who have members of family who are under depression. Crie à Dieu, dis, oh Père, délivre. Cry to God, say, oh Father, deliver. Guéris. Heal. Prions en langue. Let's pray in tongues.
Dis, oh Père, oh Father, déracine, uproot, tout ce que les démons ont semé dans le psychisme. All that the demon has planted in the psyche. Assainis le psychisme. Clean, clean. Lave, purifie. Purify and wash. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que les voix que les dépressifs entendent se taisent. Let the voice that the depressive hear. Que ces voix se taisent. Let them shut up. Que ces voix se taisent. Let them shut up. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Keep on praying. Continue à prier. Keep on praying, keep on praying. Dis, oh Père. Say, oh Father. Guéris tout ce qui a été semé. Arrache tout ce qui a été semé par les démons. Remove all that has been planted by demons. Dis, oh Père. Say, oh Father. Délivre de la passivité. Deliver from passivity. Et beaucoup vivent des états dépressifs sans savoir. Many are experiencing depression without knowing. Quand c'est à ce stade, ça veut dire que ça a déjà duré au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans. When it is at the step we saw, it means it has lasted for all, more than 10 years or 20. Mais ils n'ont pas encore atteint le but. But they have not reached the goal. Parce qu'il y a encore un peu d'intelligence. Because there's still small, some intelligence. Le but est d'anéantir toute l'intelligence. The purpose is to destroy all the intelligence. Là, tu peux te déshabiller. Là, c'est pire que la folie même des démons. At that step, you can uncover yourself. It's worse than the madness of demons. C'est-à-dire que la folie est dans l'esprit de l'homme lui-même. It means that the madness is the mind of a man himself. You have a madman. Ce n'est pas qu'un démon de folie t'habite, c'est que ton esprit est devenu fou et tu habites dans un corps avec ton âme. It's not that a demon is possessing you. It's just you have become mad, and your mind has become mad, and it dwells in your body. J'avais été choqué. I was shocked. Parce qu'un jour on a jugé le démon de dépression toute la nuit avec la personne qui était avec nous ce jour-là. Because l'aîné suprême. Because we judged the demon of depression with the person who were with us this night. Imagine que tu es avec des frères, mais le grand frère parmi vous, lui, quand il arrive, on dit que oui, c'est vrai, c'est fini. Et puis, imagine, jusqu'au matin, la personne est là et vous regarde avec sa dépression. Sans imagine résultat. That among you there is the big brother, the one when he comes, everybody says, no, this is him. And the person remained there with the same state of depression. Si je n'avais pas compris spirituellement le phénomène, if I had not got spiritually the phenomenon, ce cas-ci allait déjà me troubler que Seigneur, depuis là, ça finit quand? This case would have troubled me, and I would tell the Lord, when will this finish? Mais je sais que ça since va the finir. Time you are here, mais le and chemin, I know that it will finish. C'est un chemin de foi et de discipline. But the way is a way of faith and discipline. Je peux vous produire des gens ici qui ont été délivrés authentiquement de la dépression. Voilà une. I can show you many people who have been genuinely delivered from oppression. Un jour, elle est venue me donner le nom d'un mari que Dieu lui a donné. J'ai dit, tu es marié. Elle someone dit, non, she came mais and c'est Dieu lui a parlé. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle passivité. The name of his husband that God has given, God was supposed to give here. Si tu reçois que tu es une femme mariée reçoit que son mari arrive demain. If a married woman, la première chose elle dit c'est faux ça. Receive that a husband is coming yes tomorrow. The first thing is to say this is wrong. Et vous voyez elle a été délivrée par quoi? Les paroles. You see that she has been delivered by words. Une sœur lui a dit. A sister told her. Toi tu ne peux pas être fou. You cannot become mad. Une personne bien aimée comme toi.
a beloved princess like puis you. L'a embrassé. And embrace her. Son cerveau her a brain accepté ça. Accepted it. C'est fini. And it was si elle ne, si elle rejetait ce que la sœur lui avait dit ce jour-là. If she rejected what the sister told that day. Les démons allaient marquer un point. The demon would have won one point. Et elle ne serait pas ici avec nous. And she won't be here with non, us. Tu peux être délivré. You can be delivered. Tu peux être délivré. You can be delivered. Et Dieu va nous exaucer. And God will answer us. Dieu aura pitié de tous ceux qui ont les parents dépressifs. Dieu va exaucer tous ceux qui ont des parents dépressifs. God will answer all those who have parents who are depressive. Continuons à crier à Dieu, oh Père, agis, oh Père, agis. Let us continue to cry to God. Continuons à crier à Dieu, oh Père, agis, oh Père, agis. Continue crying to God, oh God. Dis, oh Père. Oh Father. Délivre celui qui vient de commencer. Deliver the one who has just started. Délivre celui qui vient de commencer. Deliver the one who has just started. Délivre celui qui est malade depuis. Deliver the one who is sick depuis des for années. Long, since years. Depuis des années. Since years. Délivre celui qui est délivre celui du sexe féminin. Délivre celui du sexe masculin. The woman, deliver the man. Délivre ceux qui sont des tout petits enfants dépressifs. Deliver small children who are depressive. Délivre les vieillards dépressifs. Deliver all depressive. Continuons à intercéder. Let us continue praying. Dieu, oh Père, oh Father, guéris leur intelligence. Heal the intelligence. Détruis les simulations démoniaques. Destroy devilish simulation. Les simulations démoniaques sont les choses que les démons créent, mais qui n'existent pas en réalité. Une flamme de feu qui tombe sur toi. A flame which fall on you. Tu cries, ah, elle a fait le feu. You shout, oh fire. Une voix qui te dit, a voice telling, vas-y. Go. On fait comme si c'est une inspiration. Tu entends une voix comme si tu étais prophète Jérémie qui entend It's un like ordre de Dieu. Jeremiah the prophet who hear the voice of God. On simule la voix du Saint-Esprit. But imagine the voice of the Holy Spirit. On dit va. They say, go. Saute. Jump. Et toi aussi, tu dis j'obéis à Dieu, tu vas, and tu say, sautes, I'm tu meurs. Obeying God, you jump and die. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous écrasons les simulations démoniaques. We crush the devilish imagination. Nous écrasons les simulations démoniaques. We crush the devilish imagination. Lève ta main droite. Put up your right hand. Nous délivrons les captifs. We deliver the captives. Nous enchaînons tous les esprits qui sont à l'œuvre. We enchain all the spirits who are working. Tous les esprits qui sont à l'œuvre. All the spirits who are working. Tous les esprits qui sont à l'œuvre. All the spirits who are working. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis amen. Say amen. Asseyons-nous. Let's sit down. Nous avons avancé. We have gone forward. Prends tes 10 sujets. Take your 10 topics. Si tu as déjà exaucé, tu enlèves ce que Dieu a dit. Tu rends grâce you à Dieu remove. Là où il a déjà exaucé. Tu rends grâce à Dieu. If God has already answered some, you thank him and you remove them. Ça fait partie des temps forts de la croisade, les prières pour nos besoins. It's part of the great times of a crusade. Vous entendrez les gens dire, mes 10 sujets ont été exaucés. You will hear people saying that my 10 topics has been answered. Frère, si Dieu te donne
Ce qui te trouble, tu es béni. If God gives you what is troubling you. S'il résout ton problème qui te trouble, tu es béni. He sort out your problems, you are happy. Le Seigneur m'a dit que les besoins des hommes exercent une tyrannie sur eux. People's needs are making tyranny on them. Qu'il faut tout faire. That we must do everything. Pour que la prière soit capable de résoudre les problèmes. So that the prayer should be able to sort out issues. Mais pourquoi vous la troublez? Elle veut que je signe son livre. Bien. Laissez-la, va t'asseoir à côté de maman. Tu gardes ton livre. Tu gardes ton livre. Tiens, tu gardes le silo là, c'est cadeau. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Offrande d'acclamation. Let's clap. Jésus Christ. Jesus Christ. Tenons-nous debout, continuons à supplier Please le Seigneur. Stand up and keep on praying God. C'est une soirée spéciale. It's a special afternoon. Une soirée spéciale. A special afternoon. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Dis oh Seigneur. Say oh Lord. Délivre-nous des angoisses. Deliver us from our sorrows. Délivre-nous de la tristesse. Deliver us from our sadness. Délivre-nous de la tyrannie de nos besoins. Deliver us from the tyranny of our needs. Les besoins de guérison. Needs les besoins d'emploi. Need les besoins of job. De mariage. Need of marriages. Le besoin de stabilité. Need of stability. Oh Père. Oh Father. Délivre-nous de la tyrannie de nos besoins. Deliver us from the tyranny of our needs. La tyrannie de nos besoins. The tyranny of our needs. Prions en langue. Let's pray in tongues. Ora kabaka joro baka gobaka 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 joro baka Oh, Rigabaga, 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 Rigabaga. Dieu, oh Père. Say, oh Father. Délivre-nous des insomnies, des insomnies. Deliver us from night without sleep. Délivre-nous du stress, le stress, le stress. Deliver us from stress. Oh, délivre-nous des états dépressifs, les états dépressifs. Deliver us from depressive states. Délivre-nous de la frayeur, la frayeur, la frayeur. Deliver us from our fears. Délivre-nous des angoisses, des angoisses, des angoisses, des angoisses. Deliver us from sorrows. Oh, des angoisses qui nous inspirent nos troubles, nos problèmes. Sorrows that trouble us. Continue à prier. Keep on praying.
Lève tes deux mains. Put up your two hands. Dieu, Père, exauce chacun selon ses besoins. Father, answer each of us. Exauce chacun selon son besoin. Exauce chacun selon son besoin. Exauce chacun selon son besoin. Answer each according to his needs. Exauce le tout petit. Answer the smallest. Exauce le jeune homme. Answer the young exauce l'adulte, exauce l'adulte. Answer the elder. Exauce le vieillard, exauce le vieillard. Answer the old one. Continue à prier. Keep on praying. Lève la main droite. Put up your right hand. Dis, Père. Say, Father. Exerce ce jugement. Judge. Contre les dévoreurs. Against. Contre les voleurs. Against the thieves. Les dévoreurs, les voleurs, les dévoreurs, les voleurs. The thieves. Les dévoreurs, les voleurs, les dévoreurs. Against the thieves. Ora bakashara bakashara bakashara. Ora bakashara bakashara. Lève tes deux mains. Put up your two hands. Dis, oh Père. Say, oh Father. Je suis dans l'affliction. I am afflicted. Parce que je ne connais pas une intimité avec toi. Because I don't experience an intimacy with you. Je suis sec, 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 sec. I am dry, 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 dry. Quand les gens disent qu'ils t'ont rencontré, je ne comprends pas ce qu'ils disent. When people say that they meet you, I don't understand what they mean. Accorde-moi cette grâce. Give me this chance. Fais-moi grandir. Make me grow. Devant ta face. Before you. Fais-moi entrer dans une communion intime avec toi. Make me experience a fellowship with you. Dis à Dieu, conduis-moi dans des expériences glorieuses par lead ta grâce. Lead me in glorious experiences by your grace. Dis, oh Père. Say, oh Father. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. It's written in 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Que ce sont les choses que tu as préparées. That there are things that you prepared. Pour les révéler à ceux qui t'aiment par le Saint-Esprit. To reveal it to those who love you by the Holy Spirit. Oh, accorde-moi cette grâce. Oh, give me this chance. Accorde-moi ces choses. Give me those things. Montre-moi ces choses. Show me these things. Conduis-moi dans ces choses. Lead me into this experience. Des choses que tu révèles par le Saint-Esprit. Things that you reveal by the Holy Spirit. À ceux qui t'aiment, à ceux qui t'aiment. To those who love you, who love you. Continue à prier. Keep on praying. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Tu peux t'asseoir. You can sit down. Dis Seigneur. Say Lord. Fais-moi porter du fruit. Let me bear fruit. Fais-moi porter du fruit. Make me bear fruit. Nous chassons les démons pourquoi? Why are we casting demons? Non, c'est une question. It's a question. Nous chassons les démons pour quel but? Why do we cast demons? Lis pour nous Luc chapitre 1 verset 73 à 75. Read for us Luke chapter 1 verse 73 to 75. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Nous sommes délivrés pour servir Dieu. We are delivered to serve God. En marchant dans la sainteté. By walking into holiness. Les démons sont là pour nous empêcher de grandir. Demons are there to prevent us from growing. Parce que quand tu ne grandis pas, because when you are not growing, tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Dieu sait que un homme qui n'est pas délivré ne peut pas servir. God knows that someone who is not delivered cannot serve him. Donc il avait fait une promesse. So he did a promise. Il dit à Abraham, je vais délivrer ton peuple. He told him, I will deliver your people. Je vais les délivrer de la main de leurs ennemis. I will deliver them from the hands of the enemies. Je vais permettre qu'ils me servent en marchant dans la sainteté. I will allow them to serve me by walking into holiness. Tous les jours de leur vie. Every time of their lives. Donc, la finalité n'est pas de voir un démon qui s'en va. So the end is not to see a demon going. C'est de voir un peuple qui se consacre à l'adoration. It's to see a people who is consecrating himself au service de Dieu, à l'adoration. To the worship and the service of God. Consacre-toi au Seigneur. Consecrate yourself to the Lord. Dis-lui que tu es là. Tell him that you are there. Que tu vas servir. And you will serve. Tu vas parler de lui. You will speak about him. Tu vas prêcher. You will preach. Tu vas exhorter. You will advise. Tu vas prier. You will pray. Tu vas servir. You will serve. Tu vas glorifier son nom. You will glorify his name. Par tes dons. By your gifts. Tu vas porter le fruit. You will bear the fruit. Dans le caractère. In the character. Dans le service, dans le ministère. In the service, in the ministry. Père, nous te bénissons. Father, we bless you. Parce qu'il y a du travail devant nous. Because there are works before us. Et c'est pour ce travail que tu nous délivres. And it is for those work that que tu nous as franchis. That you are setting us free. Que tu nous sanctifies. That you are sanctifying us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis, je détruis. Say, I destroy. Toute barrière. Any barrier. Placée sur mon chemin du progrès spirituel. Put on the way of my spiritual progress. Je brise ces obstacles. I break that obstacles. Spirituel ou humain. Spiritual or human. Matériel ou spirituel. Material or spiritual. Je détruis. I destroy. Je brise. I break. Je dégage le chemin devant moi. I remove it on my way. Continue à prophétiser ta croissance. Keep on prophesizing. Je
Dis, je renverse les barrières. The barriers. Je fraye le chemin. I open the way. Dis, je libère ma vie de prière. Say, I set my life for prayers free. Je libère ma vie d'évangélisation. I set my life of evangelization free. Je libère free. Le gagnement des âmes. I set the winning of je souls libère free. La lecture et l'étude de la Bible. The Bible reading, I set it free. Une lecture avec révélation. Reading with revelation. Des I set études it free. Avec révélation. Studies with revelations. Je libère ma communion fraternelle. I set my brotherhood fellowship. J'élargis mon cœur. I enlarge my heart. Pour contenir même les frères faibles. To welcome even the weak brothers. Continue à prier pour toi-même. Keep on praying for yourself. Gardez le calme. Let's keep quiet. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a un esprit sur le chemin d'un frère, un seul frère. On the way of only one brother. Nous te jugeons. We charge you. S'il y a un esprit au-dessus d'un frère qui ferme, qui tente de fermer le ciel, on a brother who is attempting Dieu, nous te renversons. We overthrow you. Dieu, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous te renversons. We overthrow you. Nous libérons le ciel au-dessus de chacun. We set the even upon the brother free. Nous libérons les révélations. Revelations. Nous libérons les exaucements. We liberate answers. Que toute personne qui a reçu des promesses ait le ciel ouvert au-dessus d'elle. Everyone who has received a promise have the heaven open and upon him. Que tout ce que Dieu a envoyé descende sur lui. Let all that God has sent come on him. Lève ta main droite. Put up s'il your y a hand. Un démon caché dans ma vie. If there's a hidden demon in my life. Je me sépare de toi. I separate myself from you. Je t'expose au jugement. I judge you. Va-t'en. Go. Sors le bâton. Go out.
Va-t'en, du nom de Jésus, nous te renversons et nous te conduisons dehors. And we lead you out. Nous enlevons tous les obstacles qui sont devant toi. We remove all the obstacles before you. Tous les obstacles que tes amis et tes maîtres ont placés devant toi. All the obstacles that your friend and masters has put before you. En t'interdisant de rentrer où tu es venu. Forbidding you to go. Mais nous brisons cela. We break them. Et nous commandons que tu t'en ailles. And we command you go. Quel que soit ton nom. Whatever quel que soit name. Ton nom. Whatever your name. Va-t'en. Go. Gardez le calme. Keep quiet, please. Pose les mains sur ta tête. Put your hands on your head. Tu vas faire la prière de la foi. You will do the prayer of faith. Et tu entres dans ta guérison. And you enter your healing. Dis, il est écrit. Sir, it's written. C'est par ses maîtrisures. It's through his wounds. Que nous sommes guéris. That we are healed. Dis, je n'ai pas besoin d'autre vérité. I don't need any other truth. Dis-toi maladie. Say you sickness. La parole de Dieu déclare. The word of God declares. Que par les maîtrisures de Jésus. That by the wounds of Jesus. Je suis guéri. Par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. I'm healed. Et je crois à cette parole. And I believe that. Dis maladie. Sickness. Tu n'existes plus. You don't exist anymore. Tu n'existes plus. Don't exist. Je proclame. I proclaim. Que je suis guéri. That I am healed. Jésus a porté. Tout le monde a dit à la croix. Jesus bore all my sicknesses on the cross. Maintenant, dis Seigneur, merci pour cette guérison. Say, Lord, thank you for this healing. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis armée de Satan derrière les maladies. The army of Satan behind sicknesses. Nous vous dispersons. We scatter you. Nous vous dispersons. We scatter you. Nous vous renversons. We overthrow you. Dis nous nous levons contre tout esprit. So we stand against any spirit qui était derrière une maladie. Which was behind a sickness.
Va-t'en maintenant. Go away now. Dieu, Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons tout poison spirituel. We judge any spiritual poison. Des poisons spirituels. C'est spiritual poison. Tu es banni. You are banned. Sors et va-t'en. Go out. Pose la main sur ta tête. Put your hand on your head. Dis que tout dysfonctionnement organique soit corrigé. All organic dysfunction should be corrected. Que tout dysfonctionnement organique soit corrigé. We correct any organic dysfunction. Que tous ceux qui ont des problèmes de nid discal soient guéris. Those who have hernia should be healed. Les problèmes de la colonne, des vertèbres de la colonne vertébrale, qu'ils soient guéris. All problems of spine be healed. De tous ceux qui ont besoin d'intervention chirurgicale pour les yeux, soient guéris. We heal all those who need high surgery. Dis Seigneur. Say Lord. Que tous ceux qui sont nés avec des malformations, those who are born, qui sont guéris, with sickness, let them be healed. Qui sont guéris, qui sont guéris. Let them be healed, be healed, be healed. Prions en langue. Let's pray. Dis au Père, oh Father, accomplis tes promesses pour les enfantements. Accomplis tes promesses pour les enfantements. For childbirth. Accomplis tes promesses pour les enfantements. Accomplis your promises. Accomplis tes promesses pour les enfantements. Accomplis your promises for childbirth. Dis au Père. Oh Father. Accomplis tes promesses pour le mariage. Accomplis your promise for marriage. Dis au Père. Oh Father. Accomplis tes promesses pour la vie. Accomplis your promise. La bénédiction matérielle, financière. For material, financial blessing. Continue à prier en langue. Let's keep on praying in tongues.
Gardez le calme, vous enlevez les mains sur la tête. Keep quiet and remove your hands on your head. Mais tu permets que le Seigneur travaille dans ta vie. And you allow the Lord to work in your life. Lui sait s'il y a un ennemi caché. If there is a hidden enemy. Si c'est au fond de la mer, il va aller. If it is in the sea, he will go. Si c'est au fond de la mer. If it is in the bottom of the sea, he will go. Si c'est dans les abîmes, il va y aller. If it is in the abysses, he will go. Dis mari de nuit. Spiritual husband. Nous bannissons votre culte. Vous ne serez plus adoré. You will no more be worshipped. Et nous annulons tout mariage. And we cancel any kind of marriage. Nous enlevons toutes les alliances spirituelles. We remove all the covenants, the spiritual covenants. Nous les jetons au feu. Throw them in the fire. Nous déclarons libre, free, tous les hommes et toutes les femmes. All men and women. Libre. Free, all men and women. Maintenant, va-t'en vite. Now go out quickly. Va-t'en vite, Jésus. Go away quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite. Sors et va-t'en. Go out and go away. Go out. Garde le calme. Keep quiet. Jésus est vainqueur. Jesus is a winner. Acclamation. Clappings. Acclamation très fort. Clap loudly. J'ai besoin. I need. J'ai besoin de 6 témoignages. I need 6 testimonies. Ceux qui ont le don de vision, qui peuvent nous dire ce qui s'est passé. For people who have a gift of vision, who can tell us what happened? Je suis la sœur Yapo Amon Mireille. Il faut dire que quand papa a commencé à donner les sujets, j'ai prié au départ avec les frères. Mais il est arrivé un certain moment où je n'arrivais plus à ouvrir ma bouche pour parler. Parce que le Seigneur avait ouvert mes yeux et je voyais dans le ciel une échelle qui descendait du ciel jusqu'à terre. Et il y avait des anges qui descendaient avec des sacs comme remplis de bon maïs, tout blanc, qui étaient remplis. Et d'autres avaient 3 sacs, d'autres avaient 2 sacs, d'autres avaient demi sac. Vraiment, j'étais un peu étonnée. Et quelqu'un me disait dans le songe, un monsieur en blanc me disait,
chacun recevait selon sa foi. Amen. Et l'image est passée. Après cela, j'ai vu une femme qu'ils ont soulevée pour monter l'escalier avec un ventre ballonné. Et à la suite de cela, j'ai vu notre sœur, la dame qui s'était déplacée pour venir vers le papa, qu'ils ont transporté. À la suite de ça, l'image a continué. Et j'ai vu que ces personnes-là étaient descendues au milieu de nous. Et quand ils s'approchaient d'une personne, ils disaient, « Toi, ton problème, c'est un problème de cœur. » Et ils changeaient le cœur. « Toi, ton problème, c'est un problème Dieu. » Et ils opéraient les yeux. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. L'image a continué. Et j'ai vu trois femmes qu'ils avaient exposées sur des canapés. Et il a ouvert le ventre d'une femme. Il y avait un gros serpent dedans. Et il disait, tu vois, c'est ça là qui se trouve dans son ventre. Il a opéré encore une autre femme. Il avait des os, de grosses os qui étaient dans son ventre. Il dit, tu vois, c'est ça là qui se trouve dans son ventre. Ça lui crée beaucoup de problèmes. Et il a ouvert encore le ventre d'une autre sœur. Il y avait un gros sachet blanc. Il dit, tu vois, c'est ça qui couvre son utérus, qui fait qu'elle a planté. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'image a continué. Il a marché vers une femme, mais je n'ai pas pu voir sa figure. Et il a plongé le ventre dans la main dans son ventre. Il a raclé le sang. C'était du sang coagulé. Il dit, tu vois, ça lui crée beaucoup de problèmes. Mais maintenant, sa vie va changer. Amen. L'image a continué. On a continué. Il a ouvert une porte. C'était la morgue. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient couchées. Il dit, toi, sors, ce n'est pas ton temps, sors, lève-toi. Et il levait, il faisait lever les gens. Amen. Le dernier image qu'il m'a montré, c'était un gros pu qui était fermé. Quand on arrivait là, il a ouvert. Il y avait des asticots, des bêtes, avec plein d'hommes qui étaient dedans. Il a dit, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez vu la lumière. Et j'ai pu parler. Je veux dire merci à Dieu pour les délivrances. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Valentine. Et pendant qu'on priait, vraiment, je souffre d'un mot de tête où il y avait vent qui était venu par ma tête derrière mon dos. Et après ça encore, j'avais reçu encore vent qui était venu par ma bouche, même vent là. Et puis après ça, la chose marche. Bon, on est venu ici, on prie, quand on prie, papa prie pour nous, ça se lève, ça tourne dans mon corps. Et ça ne sort pas. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance. Jésus-Christ. Jesus Christ. Un temps, il y avait voyage à faire. Maintenant, en songe, ils sont venus arracher l'argent dans ma main. Et puis, depuis ce temps, voyage est parti jusqu'à aujourd'hui. Quand papa priait pour nous, je voyais dans le champ de ma maman, il y a deux femmes qui sont venues avec un homme. Il est dans le brisement des liens. Ils ont ouvert un bois comme cela. Et puis, ils ont pris mon cerveau. Ils ont mis ça sur ma tête. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et puis, il y avait un paquet d'argent. Ils ont commencé à enlever. Ils m'ont commencé à me donner. Et papa qui m'a donné, je voyais que c'était un papa de brisement des liens. C'est lui qui me donnait l'argent là. C'est lui qui me donnait les paquets d'argent là. Et j'ai commencé à dire merci à Dieu. J'ai commencé à pleurer. Je vais dire merci à Dieu pour cette délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Je m'appelle la sœur Bamouni Tina Thérèse. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivrée. Depuis combien d'années je souffre. Je fatigue papa et les frères. Oh Jésus. Quand papa a dit que il a parlé de marmite, j'ai commencé, j'ai dit marmite, ma bouche s'ouvre. Et depuis un moment, je veux rendre témoignage, il y a une voix qui me bloque. C'est la même voix quand je veux rendre témoignage, c'est deux voix qui me parlent. Là, c'est la sorcellerie. Quand j'étais malade, mon père m'envenait à Motsukro, il y avait un féticheur, un gourounsi. Il m'a emmené là-bas, que s'il me guérit, il va me marier. Je vous assure, mamie de fétiche,
poison, les asticots. Il m'a donné, j'ai bu. Il l'a pris, il l'a mis sur ma tête. Il dit, va me rendre visionnaire. Je veux voir. Moi qui suis malade, va me rendre visionnaire. Un jour, je suis sortie sur la route. Le Dieu a permis, le Seigneur a permis. J'ai commencé à chercher la santé. Mon papa même ne savait pas. Il m'a demandé, tu as mangé beaucoup. Qu'est-ce que Jésus a fait ce soir? Parce que tu parles. Ce soir, quand le Seigneur, le pasteur a dit, marmite sur la tête. C'est une marmite de fétiche. Ils ont mis les asticots, tout ça sur ma tête. Quand je suis là, je vois mal. Mais le pasteur a dit, je suis délivré. Et j'avais fait un accident. Mon agent, c'est un de mes oncles qui a fait l'expertise. J'ai eu des millions. Maintenant, j'ai accepté Jésus. On dit, il a mis mon cœur sur le feu. Il met... Dieu m'a délivré de la sorcellerie. Ils ont mis une marmite de sorcellerie. Et ils m'ont fait boire le poison. Quand papa a dit poison, oh Jésus, je suis délivré du poison. Voilà, mon, c'est ça le témoignage. Donc, ce que, amen, tu dis depuis là est très long. Il fallait dire que j'ai été délivré du poison spirituel. You should have said that I have been delivered from a spiritual poison. Gloire à Dieu. Je suis le frère François Tachani. Mais laisse-la, elle n'a pas de problème. Quelqu'un qui est guéri, tu l'attrapes comme un bébé. J'ai pour faiseur de disciple le frère Modeste Akloboué. Je suis un frère du Togo. Alléluia. Le 16 avril passé, j'avais fait un accident. Et depuis lors, j'ai eu la dépression. Donc, quand je suis là, j'oublie tout. Tu peux me dire quelque chose. Je ne me rappelle plus de ce que tu m'as dit. Et je suis dirigeant d'assemblée. Quand je pars pour enseigner, j'oublie même ce que j'ai préparé. Alléluia. Et dès que je suis venu, le Seigneur a commencé par me restaurer. Et j'attendais une main du Seigneur. Alléluia. Ce soir fut ma délivrance. Je veux dire merci au Seigneur. Pour prouver que le Seigneur m'a délivré, quand le pasteur a dit Genèse chapitre 35, si les sœurs étaient là, j'ai dit en même temps, ça c'est l'histoire de Jacob. Tout m'est revenu. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais dis merci à Dieu qui m'a délivré de la dépression. Et ce soir, ce message, c'est comme si à cause de moi, ils enseignaient ce message. Et plus de 20 ans en arrière, vraiment, je souffrais de la dépression. Elle dit des voix que j'entends comme si j'étais un visionnaire. Vraiment, je souffrais de cela. Jusqu'à même, je me demande, étant chrétien, est-ce que même Dieu va accepter ou bien je vais aller au paradis? Et le diable même me poussait même à dire non, tu vas mourir, tu vas parler chez Dieu. Et vraiment, même aux enseignements, il posait des questions comme nos frères. Les frères disent non, toi, tu n'es pas prendre de péché, mais tu as un réglage à faire. Et vraiment, ce message de ce soir m'a béni. Et l'Esprit m'a dit que Dieu m'a délivré automatiquement. Jésus-Christ. Jesus Christ. Tu es délivré. You are delivered. Gloire à Dieu. Et pour me confirmer cela, Dieu m'a montré la tombe de ma grand-mère. Dieu m'a montré la tombe. Il y a plus de tombeaux. Et Dieu m'a montré cette tombe. Et lorsque Dieu m'a montré, et lorsque le pasteur priait, le pasteur a dit que la tombe soit cassée. Mais quand il a dit que la tombe soit cassée, bizarrement, je vois que la tombe, la grand-mère n'est pas cassée. Mais ils ont une autre tombe qui est cassée. Et l'Esprit me dit non, que la tombe qui est cassée, c'est pour toi. Depuis longtemps, ils t'ont enterré. Et maintenant, lorsqu'on a prié, Dieu vient te délivrer automatiquement. Il est sorti. Jésus.